Hey, salut tout le monde, c'est Bouskaman. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la suite du let's play de Batman Arkham Knight. Donc, on est à l'épisode 9. L'épisode 7, putain, le mec, déjà l'épisode 9, tu sais. On est à l'épisode 7, pardon. Donc, alors attendez. Voilà, moi ce que je veux, c'est prendre possession de la Batmobile. Ok, alors attendez. Ah merde, j'ai loupé. Voilà. Tac. Voilà. Donc je vous rappelle un petit peu, on était à la poursuite. On était à la poursuite de je sais plus qui. Voilà, on était à la poursuite du chevalier d'Arkham. Et donc on devait aller sauver Oracle, simplement. Donc on avait réussi à aller dans la base. Là dans les tunnels. Espérons que Mademoiselle Gordon est avec lui. Alors. On va descendre, on va mettre le petit. Ok, d'accord, donc là il y a un petit. Voilà, alors voyons voir. Donc j'espère que vous allez bien, écoutez. On va essayer de finir ce let's play. Hein. Parce que depuis le temps que je suis dessus. Pourtant en plus apparemment il est pas super long comme jeu. D'accord. Monsieur, le radar thermique ne détecte aucun corps, celui du conducteur. Aucun signe de Mademoiselle Gordon. Il sait où elle est, Alfred. Il ne doit pas m'échapper. Cette voiture va nous mettre en pièces. Voilà. Ah attends, c'est quoi déjà? C'est carré hein, pour faire les drifts. Alors je suis concentré de ouf les gars. Oh là 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 là, je me fais défoncer par des murs hein. Même pas par les bagnoles de derrière ou lui. Bien entendu là, on doit le poursuivre dans un endroit qui est bien étroit. Ah, alors ça veut dire que c'est le dernier. Hop. Transport blindé HS, je répète, transport blindé HS, à toutes les unités de soutien, repli immédiat. Alors, est-ce qu'il y a réellement... Le conducteur n'est pas le chevalier d'Arkham, mais il saura où je peux le trouver. Défonce-le sa gueule. Qu'est-ce que ça te fait de t'être trompé de cible? Et qui garde des choses comme ça. Où est le chevalier d'Arkham? Tu le trouveras pas. Tu crois que je ne savais pas que tu essayais de trouver la source de mes transmissions? Retirez le son, Batman. Je sais comment tu penses. Ce qui veut dire que je sais comment te battre. Et il commence à me casser les dents, lui. Hein. Où est-il? Avec Barbara Gordon. Elle est à nous maintenant. Tu imagines ce que le chevalier va lui faire vivre? Ça, t'es pas trop en position de soumis, là. Mais qu'est-ce que tu fais? Quoi? Non, ah, le bâtard! Qu'interagissons avec la manette hein. C'est pas mal comme moyen
est-il? Il est allé voir le petit gros. Le petit gros, le bâtard. C'est lui qui fournit les planques pour l'attaque. Le chevalier est allé le payer pour ses services. C'est tout. C'est tout ce que le je sais. Le petit gros, donc allons voir le pingouin. Attendez, non, s'il vous plaît, non, non. Tu te souviens d'autre chose? Il utilise une société de réfrigération comme couverture. Les camions distribuent des armes dans toute la ville. Le nom de la société? North. North Refrigeration. Merci. Allez, bouffe mon genou. Salope. Alfred, j'ai besoin de tout ce que vous pourrez trouver sur North Refrigeration. Très bien. Puis-je vous demander pourquoi? C'est le pingouin qui fournit le chevalier d'Arkham. Et pour l'heure, il est ma meilleure piste. Ok, petit trophée. Je regarde tout en faire sur Terre. Ah, je vois que Monsieur Fox essaie de vous contacter. Lucius. Monsieur Wayne, votre nouvelle amélioration pour la Batmobile est fin prête. La Batwing est en route. Ok, ça marche. Merci, Neg. Bon. Monsieur, j'ai découvert que le chevalier d'Arkham utilisait un programme pour émettre à partir de votre gantelet. Rassurez-vous, toutes nos communications sont bien cryptées. Je suis gouré de touche, les gars. Gardez le canal ouvert, Alfred. Plus il parle, plus j'en apprends sur lui. Très bien, monsieur. Bon, là, ça a l'air d'être assez compliqué d'aller niquer le... le... chevalier d'Arkham, parce que c'est censé être... c'est censé être l'épouvantail, en fait, le méchant principal, mais... pour l'instant, on est beaucoup plus focalisé sur le chevalier d'Arkham. Donc c'est un petit peu bizarre. En fait, ça veut dire quand même que... moi, j'imagine qu'on va battre d'abord le chevalier d'Arkham, puis ensuite le comment dire... l'épouvantail. Le mec qui termine pas ses phrases. En fait, j'ai pas trop écouté ce qu'a m'a dit la meuf. Cible Alpha a touché un Diamondback. Blindage endommagé. Ennemi, contourner. Ah putain, je me souviens plus des touches pour éviter cette tourelle à lui. En bas, HS. Là. Ça marche toujours quand on a une amélioration qu'il y a eux qui se ramènent là. Voilà. On dirait qu'ils sont au courant, tu sais. Frappez fort, sergent. Je veux voir que la tour vous froissée. Chef, j'ai perdu le contrôle d'un drone. Pirate, mais ah oui, ça tire sur les autres, c'est vrai. Hop. Tu commences à comprendre, pas vrai? Cette fois, tu feras pas le poids. Et je me demande vraiment qui c'est en fait. L'autre, le chevalier d'Arkham. La cible a disparu. Voilà. Monsieur, j'ai fait des recherches sur North Refrigeration, comme vous l'avez demandé. On dirait que Maître Grayson enquête sur le sujet depuis un moment déjà. Bien. Donc Maître Grayson, c'est Robin, c'est Dick Grayson, je crois qu'il s'appelle. Il est parti de Bloodhaven avec les informations. Le vrai nom de Robin, je veux dire. Il vous retrouvera sur le toit qui surplombe la gare maritime de Ranlag. Merci, Alfred. En attendant, monsieur, si l'on en croit les analyses, le chevalier d'Arkham a posté ses lieutenants dans les transports blindés répartis à travers la ville. Nous avons l'un de ses véhicules en ligne de mire. Si vous voulez intervenir pour l'éliminer de l'échiquier. Ok. Alors où est-ce que je dois aller, ma poule? Tu me donnes un petit... ça a l'air d'être la... en fait non, Grayson c'est peut-être Nightwing en fait. Ah, ça tire là ou quoi? Thank you.
ça va être un truc de l'homme mystère ça. Bon, je m'en barre un peu les couilles hein, de l'homme mystère à vrai dire. On fait la quête principale, hein. y a pas de... Voyons ce que Nightwing. Ouais, c'est Nightwing, Dick Grayson je crois, c'est son vrai nom. C'est bien ce que je pensais, c'est triangle pour le boost. Fuck yet. Ouais bon, c'était pas trop l'endroit que je voulais aller hein, c'est pas très grave. N'est-ce pas? D'accord, ça en fait c'est pas... Ah mais gros! Ah le Joker, parlons-en hein. Hop, au millimètre près, non. Alors, ça m'a l'air un peu vide. C'est pas? Ah, il y a la classe. Alors, encore en train de rôder sur les toits? Tu n'aurais pas dû venir. Pas ce soir. Tu plaisantes ou quoi? Quand j'ai su pour Barbara... North Refrigeration. Dis-moi ce que tu sais. Le pingouin fait sortir des armes de Bloodhaven dans des camions frigo. Je pense qu'il stocke les armes ici à Gotham, mais la question est où? Cobblepot est notre meilleure piste pour Barbara. Il faut que je trouve cette planque d'armes. Si je peux intercepter un camion, il me mènera droit à eux. Hein. Si seulement tu connaissais quelqu'un qui a noté leur trajet. Quoi? Tu pensais quand même pas que je viendrais là sans avoir un plan? Je m'en occupe. Il faut que tu regagnes Bloodhaven. Allez, Bruce. Laisse-moi t'aider. Tu peux pas tout faire tout seul. C'est trop dangereux. Je ne veux pas perdre qui que ce soit d'autre. Bloodhaven te réclame. D'accord. J'ai compris le message. Si tu veux garder un œil sur ce camion, utilise ça. Tu as sous les yeux un prototype dernier cri. Le vieux Fox s'est surpassé sur ce coup. A bientôt, Bruce. Ok, ça marche. Je trouve qu'il est pas super cool avec ses teammates, ses coéquipiers, Batman. Hein. Des fois, il est un peu rude. Je peux désactiver leurs armes grâce à la fonction sabot. Hein, n'est-ce pas? Non, bah c'est ça le brouilleur. Du brouilleur. Je n'ai droit qu'à 3 tirs. Je dois bien choisir mes cibles. Utilisez les munitions de sabotage du brouilleur pour désactiver les armes de l'ennemi. Tu vas pas me dire que ça te plaît pas des flingues gratuits. Tu ressembles au type qui a tué mon frère. Et toi, celui qui a refait la tronche de mon pote. Est-ce que j'en fais toute une histoire? L'arme est neutralisée. Si j'utilise à nouveau le brouilleur, elle explosera au tir suivant, assommant l'utilisateur et renversant tout le monde à proximité. Comme si j'allais te le dire. C'est quoi ton problème? On bosse tous pour des tarés. Ok, j'y commence. Je me rappelle quand le pingouin nous a... La caisse est électrifiée. Ceux qui essaieront de se ravitailler vont avoir un choc. Ça y est. Alors attendez, parce que j'ai des petits niveaux supérieurs là. Alors toujours améliorer la tenue de Batman. Hein. Ok, d'accord, il m'en... Ouais, bon, c'est qu'un point qu'on va l'utiliser pas tout de suite. Je n'ai plus qu'à me présenter. Toujours à vouloir, bonjour messieurs. Vous voulez participer à votre petite fête? Ah là quoi, il y avait tout ça. Tu tailles. Toi tu tailles aussi. Pas de soucis. Voilà. Non, toi par contre j'aimerais bien que tu reprends plus ton arme gros porc. Oh, de toute façon s'il prend son arme ça va exploser non. Voilà, toi tu dailles. Toi tu dailles. Alors j'ai acheté récemment Mad Max, le nouveau jeu là qui est sorti. Et en fait je l'ai pris parce que sur les tests qui avaient été faits sur ce jeu, beaucoup de monde disait si vous êtes un fan de Batman, achetez-le parce qu'au niveau des combos c'est la même chose. Alors c'est vrai qu'au niveau des combos, la fluidité de Batman reste quand même meilleure, mais Mad Max est quand même vraiment énormissime au niveau combo, et c'est à peu près la même chose en un peu plus gore entre guillemets. Un camion rempli d'armes et d'explosifs. Je peux utiliser la fonction pistage du brouilleur pour marquer le véhicule et le suivre dans Gotham. Je ferais mieux de marquer le camion avant de surprendre les hommes à l'intérieur. Bien, je n'ai plus qu'à les motiver un peu pour qu'ils me mènent à leur repère. Thank you.
que t'as oublié. Non, non, non! C'est Batman! Dégage vite de là! La subtilité marche, le bruit de la voiture pour elle. Merde, j'ai fait le con. Suivre depuis les toits en le marquage du véhicule reste effectif, et ce, même à travers les bâtiments. Il faut que je garde la cible en vue et à portée. Qu'est-ce que tu fais? Essaye de nous tuer! C'est Batman! Il faut qu'on se tire d'ici! Où est-ce qu'on va? On rentre à la planque! Non mais ça va pas! Ça mènera tout droit, comme un pote! Alors je fais quoi? Contente pas de rouler, on réussira peut-être à le semer! Alors on va essayer de le rattraper. Il roule pas très vite, hein. Je conduis là. Ok, ok, je le vois pas. Tu crois qu'on la se met? Qu'est-ce que j'en sais? Continue à regarder. Il faut qu'on en soit sûr avant de rentrer. C'était à l'épouvantail de s'occuper de cette foutue chauve-souris. Ah, c'était nice ça. Je suis un peu loin là par contre. J'y crois pas, on a réussi. Batman, tu parles complètement surfait. Même contre ce tas de ferraille, il a rien. Ah mais t'es con quoi. Je suis juste à côté, pédale. Bon. Donc il va falloir que je me mène là. Non, c'est bon. Je suis pas si loin que ça en effet. Allez vite. Rush mon petit batou. Mais gros, si tu te prends tous les murs, voilà quoi, je veux dire, on va pas faire grand chose de toi. Là je suis en train de le perdre en plus, merci. Ah oui, des fois tu te retrouves bloqué comme ça comme un pauvre con là. Alors. Personne vous a suivi? Batman a essayé mais on lui a fait peur. Ouais c'est ça. Bagnez-vous le cul, le boss veut nous parler. Et il n'aime pas tant long. D'accord. Comment ça se fait qu'on soit coincé ici pendant que le boss fait sa réunion? Il veut que l'endroit soit protégé. De qui? De Batman. C'est plus Double Face qui m'inquiète. J'y crois pas à ces conneries d'alliance. Mais je préfère quand même bosser pour Double Face que pour l'épouvantail. Il me fout vraiment les jetons, ce type. Ouais, on m'a dit qu'il avait fait un truc bien moche. En ce qui me concerne, j'ai prévu de rester aussi loin de l'épouvantail que possible. Je te suggère que autant. Tac. Donc j'imagine qu'on va un peu détruire la gueule de chacun. Qu'est-ce qui s'est fait au visage? C'est cramé la gueule. Non mais gros. La tourelle est foutue. Le toit est lourdement protégé. Ça doit être le repère du pingouin. T'as pris cher. Voilà. Tac. Il en reste combien là? Ok, il reste lui. Voilà. Alors. Le toit était lourdement gardé. Il s'agit sûrement du point d'entrée. Tourelle là-bas. Tac, voilà, nickel. Ok, donc est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette merde? Bien sûr que non, vu que c'est des armes, hein. Et que bien entendu, Batman n'aime pas les armes. Alors. Par où on va rentrer dans cette merde? Est-ce qu'il y a moyen de rentrer? Bonjour messieurs. Ouais, bah tu sais quoi, on va remonter parce que là, vu le monde qu'il y a, gros, c'est pas cool. Hein, très clairement, gros, ça va pas le faire. Ah bah oui, j'avais pas vu. J'ai toujours su que t'étais un lâche.
Toi, le lâche-pédale. Salut Joker, comment ça va aujourd'hui? Allez, fais quelque chose. Tu me fais un ta gueule. Honte, là. Non, non, t'inquiète, mon gars, je suis là. Je vous l'avais bien dit. Il n'a même pas pu vous rattraper dans ce camion ridicule. On le surestime. On le surestime, t'sais. D'ailleurs, le pingouin qui a la même voix depuis. Eh bien, 89, si je dis pas de conneries. Ça va être génial. Il ne sait même pas que tu es là. Vas-y. T'es devant tout le monde. Le chevalier d'Arkham, Barbara Gordon, dis-moi où ils sont. Alors c'est elle la captive, la petite fille chérie du commissaire. Oh, dans les couilles, mon gars, ça va faire tellement mal. Je vais briser tous les os de ton corps, Cobblepot. Ils allaient voir un vieux crouton, Simon Stagg. Je crois qu'il dirige une société pharmaceutique ou un truc comme ça. Allez, bouffe ta mère. Je te préviens, ne me mens pas. Non, je te jure, on dit qu'il va quitter Gotham. C'est ils ont pas trop de mal à ouvrir des caisses pour des armes. Ils sont à lui. Relâche-le. On va tirer, Batman. Ça ne servira à rien. L'épouvantail va te détruire. Tu es fini, Batman. Tenez-le bien, les mecs. J'ai bien bossé mon crochet. C'est pas un FDP avec une... Ah, ça sent le petit Nightwing, ça, ouais, c'est Nightwing, avec les bâtons. C'est comme ça que tu gères la situation? T'en fais pas, c'est la moindre des choses. T'inquiète ma gueule, je suis trop chaud. Attends, moi... Oh, nice, mon gars. Ah, moi, je prends Nightwing, mon gars, laisse tomber. Ah, je prends Nightwing de ouf, là. Nightwing, mon gars, il est tellement puissant. Hop, hop, hop. Ah, mon gars, je change pas de perso. Moi. Oh là 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 là. Ça me rappelle... ça me rappelle de ouf Arkham City, tu sais. Oh, qu'est-ce que tu branles, toi? Ça va, Batman, tu fais quelque chose, sinon? Allez, steak, je le frappe de ouf. Je crois que j'ai tapé sur Batman, là, je suis pas sûr, mais. Qu'est-ce que tu veux, salope? J'ai mal à les électrochocs, hein, pédale. Putain, tu tailles. Oh, le combo. Le mec il arrive à soulever un balèze, c'est. Ok, Nightwing, carrément il a tout cassé, mon gars. Il a tout pété. Hein. Ah là, c'était le feu. Hein. Aucune de ces armes ne doit arriver dans les rues. Cet entrepôt doit être détruit. Ah ouais, et je fais comment pour le détruire? Cooking. Allez, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Bruce, tu dois me laisser t'aider. Oui, t'avais rien en main, pédale. En main. Je te l'ai dit, j'ai besoin de toi, Bloodhaven. L'épouvantail, ces armes, ça concerne aussi Bloodhaven. C'est ici que je dois être pour aider. Écoute, avec la quantité d'armes que le pingouin fait circuler dans la ville, il y a forcément autre chose. Il doit avoir d'autres dépôts cachés dans la ville. Cherche des indices. Ici, est le Joker assis, peinard. De localiser d'autres camions réfrigérés du pingouin. Espèce de minable. On est venu de lui régler son compte. Non mais franchement, je parle même pas du monocle. Il croit sûrement que ça lui donne l'air plus menaçant. Fermer la porte de la chambre forte contiendra l'explosion. Alors on ne sait jamais Ça va pas bien dans ta petite tête, Batou? Si tu appuies sur la gâchette, tu nous descends tous les deux.
Oh! Et gros, je sais même pas lui. Mais R3. Si tu as sur la gâchette, tu vas nous faire exploser. En temps normal, je paierai un bon prix pour voir ça, mais on n'a vraiment pas le temps. R3, allô. Me dis pas que je vais devoir. Putain. Commande. Alors, il est où ton putain de R3 là, s'il te plaît, quoi? Ouais, bah R3, c'est ce que j'appuie depuis tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu me fous là? Ça me fait zoomer. Il faut que je ferme la chambre forte. Ah, d'accord, ok, il faut que je ferme la chambre forte. D'ailleurs, bien entendu, hein. Je pense que Batman il est vraiment dans la merde avec son problème de schizophrénie là. Je voudrais pas être à la place de ce type. Je dois être à une bonne distance avant que ça n'explose. Je pense qu'on peut pas aller plus loin. Hop, briser la glace. Ok, bah c'est nice, hein. Bien entendu, on se barre. Alfred, trouvez tout ce que vous pouvez sur Simon Stagg. Le mania de l'industrie pharmaceutique? Bien, monsieur. Donc on va ressortir. Et puis on va arrêter là pour cet épisode-là. Ouais, c'était ça. Alors, voyons un peu comment ça se présente. Dis donc, c'est une bonne vieille embuscade. Oh, oh, oh. Attends ici, Batou. Laisse donc ton cher oncle Joe se charger de ces imbéciles. Ta gueule. C'est parti. Tirez. Peu à volonté, allez. D'accord. Si je descends, je serai tué dans la seconde. Il doit y avoir un autre moyen qui m'échappe. Comment on va se sortir de ce pétrole? Alors attendez, on va se sortir de la merde avant. Je suis qu'une voix dans ta tête. Ah, je sais comment. Ah putain, à chaque fois je me trompe de touche, c'est vrai qu'il y en a tellement. Voilà. Alors peut-être si je fais ça. Je ne veux pas rester perché là toute la nuit. Va falloir penser hors du cadre sur ce coup. Je ne peux pas brouiller une sentinelle active. Alors tu vas brouiller quoi, salope? Si je descends. Ah mais putain, gros. Il doit y avoir. Bah qu'est-ce que tu veux brouiller d'autre? Alors là les gars, je suis un peu perplexe. Peut-être la Batmobile finalement. Il faut que je trouve une bonne position de tir pour déjouer l'embuscade de la milice. Pas de gadget pour nous sortir de ce mauvais pas. Est-ce qu'on l'a eu? Un gros gadget. Je crois que oui. À vérifier. D'accord. Non. Vas-y toi. T'as dit que tu l'avais touché. Non, je me suis trompé. C'est toi qui l'as eu. T'es un sniper et moi. Bonjour messieurs. Ça fait du bien de se faire écraser, hein. J'ai peur de tomber là.
Hop, et c'est nice. Hop, on va se terminer sur la petite cinématique. Alfred, qu'est-ce qu'on sait sur Simon Stagg? Voyons, PDG de Stagg Enterprise, une société spécialisée en recherche et développement médical de pointe. Je suis en route pour les dirigeables de Stagg. L'épouvantail s'y rendait et c'est la seule... Des dirigeables, ça peut être sympa pour le prochain épisode. L'analyse des menaces indique que Founders Island est couverte des lance-missiles et des radars longue portée de la milice. La Batmobile sera détectée et prise pour cible dès que vous aurez franchi le pont. Ne vous en faites pas, Alfred. Je vais y aller à pied et rester sur les toits. Essayez de me trouver les plans de ces dirigeables. Tout de suite. Bonne chance, monsieur. Hop. Voilà, c'est là les gens. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un pouce bleu et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve pour la suite ou une autre vidéo, bien entendu. Allez, ciao tout le monde.